Salut, on continue les analyses pour la Ligue des Champions. Donc on enchaîne avec le match entre le Barça et Manchester United. Le Barça qui s'est imposé 1-0 à l'aller sur la pelouse de Old Trafford. Maintenant la question c'est, après s'être qualifié au Parc des Princes, est-ce que Manchester peut aller faire la même chose au Camp Nou? Donc à mon avis, ça va quand même être très 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 difficile. Le Barça qui a reposé ses joueurs ce week-end contre Huesca. Ils ont 9 points d'avance en tête de la Liga, donc ils peuvent sacrifier quelques points à ce moment-là de l'année. Ce n'est pas le cas de Manchester qui est toujours à la lutte pour la qualification en Ligue des Champions en Première Ligue. Ils ont dû batailler très fort ce week-end pour battre West Ham. Si on ajoute à ça que le Barça n'a plus perdu sur son terrain en Ligue des Champions depuis 2013, ils ont remporté 27 des 30 matchs disputés au cours de cette période. On peut s'imaginer que ça va être très compliqué pour la troupe de Ole Gunnar Solskjær. Surtout qu'on a vu une belle démonstration du Barça face à Lyon en huitième de finale, ils se sont imposés 5-1. Et Manchester, donc qui viennent de perdre 3 fois de suite à l'extérieur. Donc vous l'avez compris, hein, pour moi ce sera plutôt des paris en faveur du Barça. Je vois bien la victoire de Barcelone et c'est une cote à 1,37, la victoire de Barcelone de 2 ou plus à 1,75 et le but de Messi, donc c'est à 1,47, donc Messi, il a des stats hallucinantes contre les Anglais. 22 buts en 30 rencontres face à des clubs anglais. Vous pouvez vous inscrire sur Winamax. Donc vous avez un bonus de 100 € remboursé en cash. Donc par exemple, vous prenez Barcelone gagne de 2 ou plus à 1,75. Si ça passe, vous pourriez gagner 175 €. Et si vous êtes perdant, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez même retirer cet argent pour le remettre sur votre compte bancaire. Voilà les gars, donc je vous dis à tout de suite pour la suite.